Salut à tous. Moi c'est docteur Jean-Marc Désiré. Moi venir offrir un ouvrage que moi écrit. La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et livre a 440 pages. Libre bon pour tout le monde. Les membres de l'église, les prédicateurs de l'évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous pouvez placer comment nous? Non, il y a un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça, 954-515-2669. 954-515-2669. Seulement texter, moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, n'a bon toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, la vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Nom c'est Jean-Marc Désiré et moins content pour partager livre ça avec vous. Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'église, pour les prédicateurs de l'évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'église redevienne une maison de prière, quand l'église est en flamme. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte. 954-515-2669. 954-515-2669. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer. Seigneur, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Moi, demandé au matin, saisis cœur nous chaque qui l'a, prend parole ou dépose sous table cœur nous. Nous comptons sur vous, Jésus. Nous fatigués physiquement, nous fatigués émotionnellement, spirituellement, nous fatigués. Que parole fortifiée nous matin. Nous comptons sur vous, oui, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à verset 12. Je vais faire lecture là pour vous-même. Et moi, je voulais utiliser passage ça, je vais là matin, pour me prêcher sur un sujet qui d'actualité. Parce que nous avons traversé des moments côté que l'Église besoin qu'on ait, c'est l'Église liée. L'Église besoin qu'on ait, c'est l'Église liée. Et je l'ai prêché sur les sept marques de l'Église de Jésus-Christ. Les sept marques de l'Église de Jésus-Christ. Et marque, Église, des choses qui identifient nous. Et là, on a parlé de l'église, on a parlé de mon bon Dieu. Ce n'est pas l'église, bâtiment, local, construction. Les sept marques de l'église. Comment on est capable de reconnaître, identifier mon bon Dieu? Tandis que ça que le dit dans 1 Pierre 2, versets 4 à 12. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes,
Édifiez-vous, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et tout message là pour Al-Chita sous verset 9 à 12, qui dit parole ça yo. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Les sept marques de l'Église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et parole Jésus-Christ a toujours quimbé. Il t'a dit, m'a bâti l'Église, moi. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'apôtre Pierre écrit Épître Lio, un pierre de pierre à des églises qui étaient dans la fournaise de la persécution. Et c'est peut-être ça, ouais, dans Épître Lio, il parlait, surtout dans un pierre et deux pierres également, il parlait de épreuves. Il parlait de chrétiens qui ont traversé fournaise persécution. Et il y a un refrain que le Kembe, c'est que si gagnons le chrétien doit montrer le chrétien, si gagnons le l'église doit montrer l'église, c'est dans leur persécution, dans leur fournaise, dans le moment épreuve, pour montrer tout le monde que rien n'a pas changé dans nous. Nous ne pouvons pas conformer nous à l'épreuve. C'est l'épreuve qui peut conformer à nous-mêmes. Par rapport à foi, nous, à force, nous, à puissance que mon Dieu bat nous pour nous quimber devant épreuve ça. Et c'est peut-être ça dans 1 Pierre, 2 Pierre. Après, Pierre même mettait l'Église, les enfants de Dieu. Même lorsque ils tapent vivre dans un moment côté que temps a pas approché vers la fin, il dit qu'on s'affronte toujours songer qui est-ce nous. Il faut ne pas négocier foi, non. Et nous sommes capables de dire que dans le contexte que nous vivons actuellement, le monde tellement bouleversé, le monde tellement troublé, le monde troublé économiquement, le monde troublé moralement, socialement, dans le pays nous, tant qu'Haïti, troublé dans tout sens, économiquement, politiquement. Et chrétien, petit monde, Dieu pas de surpris. Et l'apôtre Pierre dit, mon Dieu, ça oui, faut pas surpris de une équipe bagarre qui a privé autour de nous. Il faut toujours songer qui laisse nous y dans mon Dieu. Et il faut nous arrêter ça nous y est. Il ne faut pas négocier l'identité. Non. Et nous, c'est l'Église. Nous, c'est l'Église. Et Jésus-Christ te dit dans Matthieu 16, m'a bâti l'Église, moi, même les portes du séjour des morts, pas pour craser. L'Église n'a pas l'air, ce n'est pas Kaila. C'est nous-mêmes qui sauvons. Il dit nous-mêmes qui sauvons, même porte l'enfer. Quel que soit la grosseur du feu, il n'est pas capable de craser, non. Il n'est pas toujours capable de kembe. Dans la Bible, nous avons parlé de l'Église. Il a présenté l'Église comme une communauté. C'est la communauté des frères. L'Église est une communauté. Communauté, commun. C'est un groupe de monde qui a une équipe en commun
non bon Dieu. Il y a un bon Dieu en commun. La Bible en commun. Jésus-Christ en commun. Le ciel en commun. La vérité en commun. Il y a le Saint-Esprit en commun. Nous participons dans le même salut. Nous dans la même foi. Dans le même Jésus. Bien que des fois, il y a des gens qui ont comporté autant comme d'ado, Jésus pas yon, pas même barre avec Jésus, pas maintenant. Il y a des gens qui disent, c'est un coup, Jésus spécial, sport là, il n'y a pas qui Jésus lié. Pas ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, 6, 7, 8 Jésus. Son seul Jésus qui gagne. Et c'est ça qui fait de nous une communauté. Communauté. Et l'église également, Bible a présenté non seulement comme une communauté, comme une communauté, mais Bible a présenté comme un corps. Yon communauté, certes, parce que n'importe l'église, en dans l'église, nous pas en affaire avec docteur, infirmier, avocat, électricien, technicien, ingénieur. Dès qu'on entre dans n'importe l'église, comment nous venons l'autre? Frère, sœur en Jésus-Christ. Pour quelle raison? Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et non seulement l'église en communauté, son corps lié tout. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit, nous sommes corps. Il utilise l'analogie ça. Pas qu'il y ait un bagage dans le corps qu'on n'a pas besoin. Tout ça qui est dans le corps, yo utile. Et pas qu'il y ait un membre dans le corps, ou capable de dire qu'il est inférieur à l'autre membre, parce que s'il n'a pas fait travail, ça a affecté tout l'autre membre. Yo. Et c'est dans ce sens-là, dans le corps, il est vrai que il y a des organes qui sont organes vitaux. Mais pendant les organes vitaux, même si ils aident à vivre, ils n'ont pas qu'à vivre sans l'autre tout. Mais ils pas qu'à vivre sans pierre, pierre n'ont pas qu'à vivre sans main. Supposons que l'apôtre Paul même prend le temps pour le dire dans 1 Corinthiens 12. Supposons que Dieu a dit comme ça. Bon. Parce que pied avec main, pensez que c'est un corps qui m'a fait main. Je ne peux pas mener un côté. Ou pas qu'à ouais. Et il y a un seul organe. Il y a un seul membre qui a affecté tout. C'est des analogies. C'est pareil tout le monde qui a déjà. Mais l'autre transposé dans le contexte de l'église, l'aide tout le monde à réaliser que nous avons besoin de l'autre. Amen, mes bien-aimés. Nous avons besoin de l'autre. Il y a des gens qui pensent pas besoin de personne. Il y a des gens qui consomment, oui, même dans le contexte de l'église. Je dis, je ne peux pas parler avec les gens. Et comment ça me fait? Et comment ça m'y est? Toute famille, c'est comme ça. Grande maman, papa, tonton, cousin, tout c'est comme ça. Nous, personnel. Mais changer de tempérament. Là, on prend Jésus-Christ comme sauveur ou pas personnel, parce qu'on entre dans la communauté. On a un corps, le corps de Jésus-Christ. Comme ça, c'est un corps qui est formé de tout le monde sauvé. Même genre l'armée, son corps. La police, son corps. L'on travail, tout le monde qui est dans le travail dit ça, c'est corps travail là. Eh bien, tout le monde qui est sauvé, la Bible a dit, c'est le corps de Christ. Christ, c'est tête là. Et dans la Bible, tout, il fait qu'on est que l'Église, avec Jésus-Christ, nous formons un couple. Vous avez pensé à ça? Nous-mêmes, avec Jésus-Christ, nous formons un couple. Ou pas, dans toute la Bible, il dit comme ça, l'Église est l'épouse de Christ. Hello, vous devez entendre ça? Dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul dit, écrit, poussé par l'Esprit, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et il dit, quand le cas privé au ciel, au noces de l'agneau, l'a présenté cette épouse sans tache, hein, sainte et irrépréhensible. Ainsi l'Église, avec Christ, nous sauver, nous formons un couple. Nous avons une relation, oui. Dès que nous prenons Jésus comme sauveur, nous avons une relation, oui. Nous avons une relation avec Jésus-Christ. Et peut-être ça dépend où on a une relation avec Jésus-Christ. Et pour prendre avec Jésus-Christ, on a checké le monde là. Et peut-être ça, il dit, nous sommes adultères. Dans Jacques 4, il dit comme ça, adultère que vous êtes, ça sont adultères spirituels. Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Parce qu'il dit comme ça, quiconque veut se faire ami du monde sera ennemi de Dieu. Et c'est nous capable qui va l'adultère dans l'église. Monde qui a une relation avec Jésus-Christ. Et puis pendant qu'il y a une relation avec Jésus-Christ, il y a tiré le monde là. Il y a tiré le diable là. Il y a tiré toute vieille bagaille qui dans le monde là. Très souvent, nous prenons adultère dans un contexte purement physique, corporel, mais nous ne prenons pas tout dans un contexte spirituel. Dès pour nous sauver. Écoutez, bien, qu'il y a un fontaine. Tout le monde qui sauve là, qui connaît Jésus-Christ, dit Amen. Mais dès pour connaître Jésus-Christ, nous sommes son communauté, nous sommes son corps, ou formé avec Jésus-Christ, son couple.
nous avons une relation. Et le fait qu'on a une relation spirituelle avec Jésus-Christ, là, vivant et on vit pour lui. Galates 2, verset 1, Paul dit, Paul décrit une relation comme ça. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, toute l'autre relation qu'on prend à côté, relation qui est avec Christ là, il faut un adultère spirituel. Si on a une relation avec le monde là, si on a une relation avec œuvre la chair, Jean l'ai énoncé dans Galates 5, c'est ça le fait de haut. Et puis nous sommes l'église en communauté, ils sont corps, l'église formée avec Jésus-Christ en couple, mais l'église sont construction que liée, son bâtiment, son construction. Pas oublier, Jésus qui dit, dans Matthieu 16, il a parlé de l'église, il dit comme ça, il a parlé à Pierre, qui t'a déclaré que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, Pierre, ah, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, Pierre, on t'appelle Pétros, tu es Pierre, ça c'est le nom d'une personne, mais sur moi le Pétra, cette grosse pierre, je vais bâtir mon église. L'église, chita sur la grosse pierre qui est Jésus. Nous-mêmes, Bible a dit nous c'est des petites pierres, nous c'est des pierres vivantes. Il est écrit là, oui, dans 1 Pierre 2, verset 4, il dit, approchez-vous de lui, pierre comment? Vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5, qui sera-t-il là? Et vous-même, comme des pierres, comment? Vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle. Nous comprenons? L'église, c'est une maison spirituelle. Jésus-Christ, c'est la grosse pierre, la pierre de l'angle. La pierre de l'angle. Même Joël Caille reposait sous poteau, et puis bloqué au monteau. Eh bien, toute l'église reposait sur la grosse pierre qui est Jésus. Et puis nous-mêmes, nous sommes des petites pierres. Parce que nous avons édifié, pas en maison physiquement parlant, nous avons édifié une maison vraiment spirituelle. Mais là, et pour qu'on comprenne bien, nous reprenons pour nous. Et dans verset 6, verset 7, que Jésus-Christ, c'est lui-même qui walk solide, là, le rocher des siècles. Ainsi, notez ça bien, à chaque monde qui prend Jésus comme sauveur, ils sont petites pierres calent dans muraille maison spirituelle ça. Ou pas dit mon Dieu merci, l'autre pour Jésus comme sauveur, hein? Cet esprit vide dans la vie ou tout nos petites pierres, une pierre vivante dans maison spirituelle ça qui c'est l'église. Et si Dieu mon Dieu parce que la construction ça a fini, la construction de l'église, qui l'a fini? L'église pour qu'on finisse bâtie non? Chaque temps où un monde prend Jésus comme sauveur, c'est une pierre qui bâtit, qui pose dans la muraille l'église là. Parce que son maison spirituelle. L'église a fini bâtie aussitôt que trompette la sonné. Bon! Dernier monde qui prend Jésus-Christ pour sauver là, nous par contre, qui paye la pierre, aussitôt que le fouillé pierre, bon! L'âge de l'église a le fermé. L'âge de l'église, l'ère de l'église a le fermé. Parce que l'église, c'est un mystère. L'église, c'est un projet à part que lié. L'église, c'est un plan éternel lié qui est dans la pensée de Dieu. Et il est clair pour nous comprendre que nous dans l'âge de l'église, l'église va enlever pour aller l'autre âge, mais ce n'est pas l'âge de l'église. Et si dans le contexte, ça, songez bien, en parlant de l'église, nous sauvons, nous formons une communauté, classe et demain. Moun qui sauve yon formé qui ça encore? Yon corps. Moun qui sauve avec Jésus-Christ, yon formé qui ça? Yon couple. Et tout moun qui sauve yon qui forme en maison spirituelle, c'est yon construction qui poko fini et qui continue à bâtir. Que moun dit, pasteur, pour qui sauve une souci ça à matin? C'est parce que nous avons traversé des moments côté que le monde a tellement pollué, le monde a tellement troublé dans tout sens. Ou ap chercher l'église, des fois, ou par contre, ça que l'église là. Moun nan tout, ma petite son gros créole, nan tout sauce li. Li nan tout vie, mœurs, li vie, habitude li, nan tout bagay qui nan monde là. Et puis dimanche, li prend Bible, li dit qu'on m'bral l'église. Et puis il dit carrément, c'est l'église. Il dit, c'est chrétien. Ah, mais born again believer. Et comme nous connaissons en pile moun, yo prend le contenu, alors le contenant pour le contenu, le contenant pour le contenu. Alors, un exemple tout simple, on est, l'on prend yon bouteille, alors yon sous doit bon Coca-Cola, bouteille là, c'est contenant,
c'est cola, c'est coca qui contenu. OK? Mais très souvent, on dit comme ça, vends-moi une bouteille de cola. Une bouteille de cola. Si c'est bouteille là, ça me boire ou pas un cola. Parce que il faut que c'est cola dans bouteille là. Même que nouvelle pour yon bouteille qui a marqué cola sous lit et puis ça rentre dans c'est pas cola. Yon bouteille capable marqué yon produit qu'on besoin puis ça rentre dans n'est pas produit là. Moi ouais ça aussi grand pile côté qui marqué l'église sous yo. Mais ça rentre dans c'est pas l'église. Ça rentre dans. Ça qu'a vendre. Ça qu'a parler là. C'est pas l'église. Gen pile côté qui dit conseil qui dit nous offre tout service pas grand yon pas joindre là tout sauvé nous craser diable nous craser cercueil nous bail mariage nous bail travail nous bail voyage pas grand malade nous pas guéri même pied cassé nous ranger dans 30 secondes corona nous on souffle là c'est de l'ironie un gros évangéliste américain dans pays ça. Dans mi temps gros covid oui on pas citer non parce que m'aller faire réclame pour comédien missionnik prend micro il dit covid 19 I blow on you boum quelle comédie ouais un bébé là qui fait même barre là et si hébreux ça pas différent de bébé là au moins bébé a pensé c'est je m'a jouer mais hébreux ça dit ça pour sérieux. Sérieusement, on paquet de monde derrière lui. On paquet de monde derrière lui. Et puis il dit, COVID-19, I blow on you. Et puis ça dans tous les réseaux sociaux, etc. Léon Moun pense que c'est ça que l'église. Et puis, il y a COVID-19 là toujours. Là, il dit comme ça, eh bien, qui ça l'église est là même? Soit pour te dire, amen, bon, vous avez. Quand il y a l'église tourne, il y a un côté, monde qui fait l'église là, des fois, non le cite plus que non Jésus. Non, si tu es plus que dans Jésus. Produit que le vendre, ce n'est pas je me produis ça avec Christ dit pour le vendre. Et puis tout le bagage, ça a fait dans non, qu'il est ça. Dans non, Jésus. Matthieu 7 te dit ça, oui, au dernier jour, au grand jour du règlement de compte, verdict cap sorti, il y a des gens qui dit, n'avons-nous pas fait des miracles comment? En ton nom. N'avons-nous pas prophétisé? En ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons? En ton nom, ouais, il fait tout dans le nom de Jésus. Oui. Et puis, dans les verdicts là, je ne dis pas qu'on est non. Je ne dis pas qu'on est non. Et si, même dans le pays États-Unis, ça, chargé côté, qui c'est photo l'église, mais pas l'église. En plus, on a l'église côté ça, parce qu'il dit côté ça, c'est chaud. It's hot. Et pas chaud dans le sens, you know, chaleur, etc. Heat, air condition. C'est pas chaud dans ce sens. C'est musique là chaud, moun yo chaud, moun yo sauté, yo pompé. Et puis on dit des fois, oh, great worship! Great worship! Parce que musique là en forme, tout bail bien harmonisé. Et pas mal de bon Dieu, son l'église qui a fait Christian rock and roll. Par contre, si nous avons ça rock and roll là qui a fait. Ou imaginez, matin là, m'taparait là, mettez tout rad cuit moi sous moi. Rad cuit moi sous moi. Et puis, m'gai pasteur Kelly qui habille tout en cuir. Kenny habille tout en cuir. Tout le monde qui prend le souche a tout en cuir. Puis, m'paraît avec gros guitare électrique. Assemblée à chaud, tout le monde se remet musique là. Qui sont connectés à passer. Un peu, m'on tape les bacs à chaque dimanche. Puis, on vient nous une belle merveille. Parce que, jour dit là, en pile côté de l'église, pendant ces 20 dernières années, États-Unis vite gâté net, 20, 30 dernières années, grand philosophie que yon leader dans le pays a vina avec lui, on façon pour capable plus pour l'église. Yon dit, n'a pas avec une philosophie seeker-friendly church. Seeker-friendly. On l'église qui mettait l'on gens pour montrer moun yon, nous c'est même. Nous c'est même. Puisque nous sommes même, venez jouer. Habillez n'importe qui jongle. Même si vous levez sans pain, venez sans pain. Même si vous levez avec pyjama, venez comme ça. L'église vient avec philosophie ça. Seeker friendly church. En façon pour les gens qui disent, oh, je ne vais pas venir pour me conformer, je ne vais pas venir. Et ça vient produire
Oh, mais dans le contexte aux États-Unis, ils ont l'église. Ils ont l'église malsaine. Ils ont l'église qui déréglée. Mal de des églises, ils ont invité dans le pays. Je fréquente un pile qu'on est. Je suis un pile d'amis parmi eux-mêmes. Les amis de l'école, séminaire. Moi, je suis un monde qui sous cher, qui adore. Il y a qui viennent avec pyjama, même oui. Moi, mon avec pyjama chante, oui. Moi, mon avec. Mesdames, comment les petits sandales vous mettez là pour aller dormir? Ok, flippers. Thank you, flippers. Moi, sous cher avec lui. Moi, j'ai des gens qui avec une série de pantalons chiffonnés, chemise chiffonnée. J'ai des gens qui sont payés. Au nom de Seeker Friendly Church. Mais si elle n'a pas ce testament, on sait après. Il y a pour que. Sacrificateur, souvenez un sacrificateur, Lévitique, allez Exode, allez Lévitique. Bon Dieu dit comme ça, monsieur, non, ça va se passer. Moi, c'est bon Dieu vivant, bon Dieu saint. Si nous prenons la vie dans la présence, moi, bon gens pour nous habiller. Bon gens pour nous habiller. Bon gens pour nous comporter nous. Bon gens pour nous propter nous. À un point tel que dans le tabernacle, là, tu as profité de quitter l'entrée dans le tabernacle, là, quitter le centre d'adoration, peuple, là, là, tu es dans le désert, là. Tabernacle, là, tu es venu tourner un temple. Lorsqu'on paraît toujours un hôtel des reins, côté que vous boulez sacrifice, après ça, je vais le temps, la cuve des reins. Cuve des reins, ton gros cuvette qui chargeait de l'eau. Pourquoi ils sont venus là? Bon Dieu dit comme ça, moi pas vle, personne vienne dans le service, moi. Si toutefois, il n'y a pas propre, pas bien. Il faut que radio lave tout le temps. Il faut que radio propre. Et si bon Dieu n'a pas changé, on ne peut pas penser. Parce que je dis, on a fait 21e siècle, ou qu'a vint sous mon Dieu n'importe qui, Jean. Ou qu'a vint sous mon Dieu en assemblée, Jean voulait. Mais c'est ça, oui, c'est que friendly church fait. Mal dans l'église, côté que pasteur a prêché, puis tout le monde avec donut, avec café, mettez bon côté, boot shot, flippers. I've seen that. Boot shot, c'est un bitch. Yo bralé. Mais ça, vous comprenez? Nous avons une vieille mentalité en Haïti, côté que tout ça blanc fait le bon. Tout ça blanc fait le bon. Un haïtien qui a un bon soulier haïtien dans le pied, il dit comme ça, ah, ou dit que ça sont belles souliers. Oui? Il dit, ah, bah, haïtien. L'hypito, il est soulier pays. Il a même transformé l'hymne national noir. Il dit quoi, c'est soulier pays, chiré chaussette. Est-ce que les gens ont mal pris? Côté où nous sommes aujourd'hui, ils sont loin, oui. Politiquement, économiquement, socialement, tout ça nous fait pas bon. Aujourd'hui, dans la mentalité, nous, depuis un bagaille compliqué, depuis un bagaille qui dépasse l'intelligence, nous, où on a ici une réflexion, c'est blanc, oh, blanc fort, oui. Est-ce qu'on a blanc, oh, depuis c'est blanc qui fait. Un haïtien perdit connaissance dans accident. Yo prend yo menen la mort. Un haïtien pareil qui cap menen la mort. Yo pense le mourir. Monsieur réveillé pendant menen la mort. Yo monsieur dit pas mourir, pas menen la mort. Haïtien dit ça mon cher blanc de mourir, attendez. Soit coûte dit amen nous non non. Même ici, moi, on monte pour une équipe. Écoutez bien, je ne suis pas fier de pays. De sa pays, je vais régler. Nous tous connaissons le pays, nous vraiment, pas fait, nous, pas fait fierté nous, par rapport à ce qui passe dans le pays. Mais, quel que soit Jean-Viré, c'est haïtien, nous y est, oui. Mais pour tout le monde qui a dit comme ça, je ne suis pas vrai, oui, haïtien. Je ne suis pas checké avec eux. Je dis à la vérité. Gwen ki pa isyen. Sou kwa sa avèk yo yon fwa. Ou pa jam mande bon Dieu pou kwa sa avèk yo ankò. Men malgré sa, men sa pa dwi, malgré sa, pa bliye chak pèp gen mèsy yo, gen vis yo. Par exemple, menm nan Bib la, lè l'apôtre Paul a pale de kretyen ki sou il de Kret yo. L'apôtre Paul di, sit kon sa, parle avec l'église là bien oui et puis il dit les crétois même les poètes le disent les crétois sont menteurs
Ouais, gain péché, c'est péché national, oui. Dépoussot, il de Crète ou menteur. Bon, pas Haïti, pa baron Zalié. Baron Zalié. Mais, quel que soit Jean Zalié, mais qui vous parle avec vous, mais qui vous parle avec vous? Quel que soit Zalié, l'homme besoin de modèle l'église, l'homme besoin qu'on comprend pour faire l'église, c'est pas sous blanc pour garder. Parce que, actuellement, là, blanc déraillé. Oh, nous comme ça. En pile l'église blanc déraillé, oui. Yo déraillé. Gen nan yo ki pa kwè nan retour de Christ encore. Yo di retour de Christ son bagage spirituel, li pa physique. Gen nan yo ki pa kwè que Bible la est la parole de Dieu. Yo di gen parole c'est parole bon Dieu mais pas tout. Gen nan yo ki di comme ça, faut aussi pour parler de sang. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ dans l'église parce que ça fait bloody Christianity ça. Et on chrétien te ki gen trop sang. 21e siècle pa attendre. Alors que toute la Bible son livre qui charge sang, son livre qui de Genèse Apocalypse, c'est sang qui a versé pour préfigurer le sang de Jésus-Christ qui est prêt verser pour nous-mêmes, pour le salut de nos péchés, pour la rédemption des pécheurs. Son nous retirer sang dans la Bible, pas dans la Bible, non? Parce que nous sommes sauvés par qui ça? Par le sang de Jésus-Christ. Et puis, il y a l'église au côté que mon Dieu, c'est pas la Bible qui prêche encore. Yo seulement prêcher des choses qui vous font sentir bien. Yo seulement prêcher des choses qui pour vous motiver, qui pour vous plus de détermination. Prédicateur pas prédicateur encore, yo plus motivational speakers. Et m'pas citer nom yo. Pas citer nom yo là, m'pas faire réclame pour yo. Message a bay, c'est pas qui goui qui sonne bien dans oreille. Mais soutamment des prédicateurs ça yo. Qui point de vue sur homosexualité? Qui point de vue sur péché extramarital? Gen youn nan yo qui très connu dans le pays a. Yo te pose la question, qui point de vue sur homosexualité? Il dit ça, Jesus loves them all and Jesus is the savior of them all. C'est très bien ça, oui? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Monsieur parle, il n'a pas jamais dit homosexualité son péché. Il n'a pas jamais dit que bon Dieu a changé le péché. Il seulement dit comme ça, God loves them all. Gen youn qui très connu. Il dit, qui s'est pensé de l'homosexualité? Est-ce qu'un homosexuel est capable de sauver? Et tandis qui ça dit? Il dit comme ça, longtemps, je n'ai pas dit non. Mais il dit, avec les années, j'ai évolué. Il dit, ma prédication a évolué. Wow! Si on a dit, he has evolved. Son nèg dou prédication évolué. Ou met konnen, nom sa, c'est pas jamais la Bible t'a prêché. Parce que la Bible pas jamais évolué. La Bible était même parole là. Dieu est le même comment? Hier, comment? Aujourd'hui et éternellement. Romains 12 dit comme ça, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et sa Bible a dit, et si je considère le pays, non. Ah, bah, elle a gâté en pile dans le pays, non, en pile causé, en pile l'église. Quand est-ce que Mounio prend la Bible, il veut interpréter l'argent par yon. Par exemple, dans le pays de sécurité, ça, en Haïti, il y a un pile l'église qui dit qu'on s'affronte pour les âmes. Et li populaire actuellement, ou après, non, assemblée qui charge moun, bon prédicateur qui prend manchette li. Il levait le main hauteur, et puis il y a un paquet de l'autre qui est à côté lui qui prend manchette. Yo. Il a brandi manchette là, et puis il y a ton bandit. Mabdou, est-ce que personnellement, il y a un droit pour lui défendre tête lui? Oh yes. Bible a enseigné légitime défense dans Exode 22. Mais s'agissant de l'église, est-ce que l'église est capable de battre tête lui deux, trois experts qui pour. Veiller périmètre l'église là pour garantir en sécurité. Oh, 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 yes. Ça possible, oui. Mais pour promouvoir une doctrine, côté que tout chrétien est capable armé pour entrer l'église, soit à manchette, soit à examio, pour que avant le service commence, gon l'église comme ça aux États-Unis, oubliez si c'est Texas. On est Texas pour ne pas jouer avec examio. Côté que avant le service commence, pour nous éclairer examio comme ça. Gros âme. Ou imaginez qui va les âmes qui levaient dans l'assemblée de 500 personnes.
m'a regardé là par exemple. Si nous demandons tout le monde dimanche prochain, l'autre vient à l'examen. Et dans le pays, ça, nous ne connaissons pas manquer d'examen. Tout près de nous, là, nous parlons là. Et matin, là, je ne sais pas si vous voulez dimanche, mais vous êtes capable de checker, the gun world. Quand vous regardez, pasteur, fait l'examen pour l'examen. Non, je ne vais pas faire l'examen pour gun world, mais sous le côté de gun world. Je ne sais pas combien de gens qui ont l'examen dans l'église. Mais je vais vous dire, vous pouvez poser une question. Pasteur, est-ce que vous avez l'église avec l'examen dans la veste? Est-ce que je suis capable de vivre l'église là? Est-ce que je suis capable de demander en tant que pasteur pour tout le monde qui a des amis ou bien en Haïti qui a une sécurité pour tout le monde qui marche avec des amis? Et parce que même Pierre dit que Jésus-Christ est un âme bon côté lui. Je suis un grand bagage sur base de parole de Dieu et pas point de vue et pas opinion. L'église, ce n'est pas une force armée. L'église, c'est une institution qui est là pour prêcher la bonne nouvelle qui ça. De l'évangile. Côté yon moun capable exercer le droit légitime de défense, l'église pas qu'à constituer une force armée qui dit comme ça. Avec l'esprit de Gédéon, nous allons attaquer les bases des gangs, la Bible dans une main et yon ouzi dans l'autre main, n'a pas chanté. Et puis nous prenons attaquer ces gens-là qui sèment le trouble dans le pays. Pas grand qu'un côté nous jouons que l'église c'est salier. L'église sont édifice spirituel. Zam nous guérissons sont zam qui dépassent zam charnel. Yo. De Corinthiens 10 dit comme ça, nos armes de combat ne sont pas qui ça. Charnel, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser qui ça? Les forteresses. Bible et l'Éternel, l'Éternel des armées. Si nous avons une situation, l'Éternel des armées qui a les plus grandes armées au monde, dans l'univers, pas descendre avec armée pour venir délivrer nous. Et puis c'est nous-mêmes qui avons, après les petits armes nous pour délivrer tête nous, nous connaissons que, eh bien, il y a l'Éternel des armées, pas l'Éternel des armées, vrai. Parce que dans la Bible, moi, l'Éternel des armées a agi plusieurs fois. Moi, David campé devant le géant Goliath, ils ont armé pas qu'à. Vingt Goliath, et puis David crampé devant Goliath. David dit, ouais, écoutez, frère, ou pas continuer à faire ce qu'on fait, non? Ou pas marcher contre moi, t'as des amis, avec l'épée, la lance, le javelot, t'as dit que ça, David dit. Mais même marcher contre qui ça? Au nom de l'Éternel des armées. Ainsi, dans ce sens-là, dans la Bible-là, nous, lorsque Sanchérib, avec l'armée assyrienne, lui attaquer le royaume de Juda, mon Dieu priait, il y aurait les bons dieux. Et qui ça, bon Dieu fait? Dans une nuit, bon Dieu fait gagner un ange qui sortit dans le ciel. Ange la descend dans l'armée assyrienne. Un seul ange tué en une nuit 185 000 soldats. Mabdou, ce n'est pas parce que bon Dieu n'est pas là. Bon Dieu a une raison qui va lui permettre que l'arrivée, mais puis devant, c'est gloire, bon Dieu, qui va éclater. Et objectif parole ça matin, rapidement brazoli, c'est pour nous capables de comprendre. L'église c'est une communauté, l'église son corps, l'église sommet avec Christ, un couple, l'église son construction, son maison spirituelle que liée. Et à cette fin, l'église pas de quitter en rien, fait oublier sa liée. Et c'est dans ce sens, dans verset 9 là, et en parlant de marque de l'église, l'apôtre Pierre dit comme ça. Vous au contraire, attendez, vous au contraire, dépendant des contraires là, l'église est le contraire de ce monde. Nous pas même bagarre avec eux. Vous au contraire, attendez, vous êtes une race comment? Élue. Ces premières marques là, oui, la marque de la dignité. La marque de la dignité. En tout dit dignité. Et worthy, non worthy, we're worth. L'église a une valeur, nous sommes race élue. Mais donc, quelquefois, il y a pas tant de pays où il faut honte. Qui faut gêner. Là où citoyenneté terrestre ou faut gêner, et qu'un bé citoyenneté céleste. Vous êtes une race élue, ça c'est la marque de la dignité. Même si il y a des gens qui pensent, nous pas gain valeur parce que nous sommes nègres, nous sommes des petits noirs. C'est pas ça? Même si il y a des gens qui pensent, nous pas gain valeur parce que nous pauvres. Nous sales, ils jouent nous en plus, oui. Nous l'aide.
C'est petit bon Dieu, vous avez valeur. Nous avons valeur. Vous êtes une race élue. Ça, c'est la marque de la dignité. Et peut-être ça, en tant que petit bon Dieu, vous êtes une race élue, bon Dieu choisi. Quel que soit côté où il y a un travail, marchez tant que monde qui sont race élue. Ou marchez tant que monde qui pas même Jacques tout le monde. Quand on nous tout comporter nous gens, même les n'apprend des nouvelles, même les monde là troublé, toujours songer son race élu, monde là troublé, papa mange le comme ça. Bon Dieu gagne contrôle toute bagaille. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. La marque de la dignité, vous êtes une race élue, nous sommes une race spéciale. Et dans les qui ça reste là dit un sacerdoce royal. C'est ça, c'est deuxième marque là, la marque de la dévotion. Dévotion, appel. Bon Dieu, relez-nous pour nous faire partie de yon royauté et de yon sacerdoce. Écoutez bien. Il dit un sacerdoce royal. Lors où ces petites bon Dieu, quand on ces petites bon Dieu a ou rentrer dans la royauté divine. C'est bon blague ça y est, bon Dieu c'est le roi des rois. Si bon Dieu c'est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Si nos familles bon Dieu, mais nos familles royales. Et puis il dit sacerdoce. Sacerdoce qui est avec la prêtrise. Sacerdoce qui est avec travail. Nous apprenons, nous étudions sacrificateur était qu'on fait dans ce testament. Qui est le sacrificateur? Le sacrificateur, c'était représenter le peuple là devant mon Dieu. Peuple là pas capable devant mon Dieu. Bon Dieu était obligé de choisir des sacrificateurs. Qui t'avait exercé son sacerdoce, et même là encore, ce n'est pas tout le monde qui est dans la tribu, qui est en Israël qui a fait partie du sacerdoce. Il faut être dans la tribu de Lévi, une tribu spéciale qui occupait le sacerdoce. Mais grâce à Jésus, bon Dieu dit comme ça, si longtemps, c'est un monde pour te voir côté pour vous, qu'on n'y a pas besoin de vous encore. Dès pour besoin, vous avez une poutre tout. C'est ça, la doctrine du sacerdoce universel du croyant. Songez ça, oui. La doctrine du sacerdoce universel du croyant. Ça qui l'a dit, notez bien. Yon pasteur pas un sacrificateur pour vous. Yon pasteur qui a dirigé, joli qui a aidé, joli qui a instruit. Mais même bon Dieu là, le côté là, ou qu'à le côté le tout. Même bon Dieu là, le défend. Ou même auprès de bon Dieu ça, ou qu'à défendre tête ou tout. C'est peut-être ça nous-mêmes, qui sommes chrétiens évangéliques, nous pas quoi dans la pratique catholique. Côté que faut aller devant mon père, pour mon père, pardonner nos péchés, pour mon père, tendre confession, pour mon père, d'où ça pour faire. Nous pas dans mon père qu'on y a. Gloire à Dieu. Pour qui raison? Parce que, à cause de Jésus-Christ, nous avons accès au trône de Dieu. Nous calons pour tête nous. Nous avons demandé bon Dieu pardon. Nous calons pour tête nous. N'a confessé péché, nous n'avons pas besoin de personne pour aller dire non, mon père, j'ai péché. Pour mon père, dire qu'est-ce que tu as fait? Oh mon père, j'ai volé ceci, j'ai menti, j'ai dérobé. Et puis pour Père Abdou, ça, pour ta pénitence, 20 chapelets, 30 notre père, 10 je vous salue. Nous n'avons pas besoin de ça. Pour quelle raison? Nous calcons Jésus, le renouvelé. Ça, c'est la marque de la dévotion. C'est appel, nous, ça. Nous, c'est à la fois en Jésus-Christ prêtre. Et roi, ce n'est pas blague, non, les n'a chanté, moi c'est petit roi. L'église doit songer sa lié. Par exemple, l'on a caillou ou à genoux à prier pour Haïti. Son prêtre ou yé, son sacrificateur ou yé, ou à prier pour le pays ou. Regardez, yon pasteur qui a occupé yon office pasteur, il est capable de faire un appel pastoral. Mais nous, tous qui ont Jésus comme sauveur, nous formons un saint sacerdoce. Dans Apocalypse 1, verset 3, il dit comme ça, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous, tandis qu'il s'en dit, un royaume, il dit, et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Regardez, Mounio tellement n'a parlé l'autre cause dans l'église, il n'a pas dit Mounio ça y est. Il tellement n'a parlé cause bas dans pile l'église, il n'a pas fait Mounio connaître ça y est. L'autre pas qu'on soyez ou marché, n'importe qui gens. L'on pas qu'on soye ou fréquenter n'importe qui moun. L'on pas qu'on soye ou entre dans n'importe qui cause. Mais l'on qu'on soye gonjon marché, gonjon comporté. Gen moun, gen type de moun ou fréquenter.
qui semblait à sorier, parce que parole l'a dit, ceux qui se ressemblent, ça semble. M'pas jamais moué l'oeil oiseau à voler, m'pas jamais moué oiseau qui pas semble avec oiseau volant ensemble, non? Moué c'est oiseau qui semblait, qui volait ensemble. M'pas jamais moué yon pile poule à marcher dans une équipe cana. Tout le monde cherche compagnie, yo. Mais son nouvelle lié pour même, surtout ces petites bon Dieu, marcher côté moun qui semble avoir. La paix mon Dieu avec vous, oui. Et si vous êtes une race élue, ça c'est la marque de la dignité. Un sacerdoce comment royal, ça c'est la marque de la dévotion. Un sacerdoce royal, je dis à nous pas offrir sacrifice tant que sacrifice dans célestement. Mais la Bible a dit sacrifice qu'on a offrir, ce sont des sacrifices spirituels. Il écrit oui, dans 1 Pierre 5, alors 1 Pierre 2, verset 5, il dit comme ça, édifiez-vous pour former qui ça une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir qui ça des victimes comment spirituelles, vous entendez, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qui ça victime spirituelle yo? Par exemple, lorsque n'a pas offri action de grâce by bon Dieu, d'après Somme 51:14, son sacrifice lié. Lorsque nous péchons, demandons mon Dieu pardon. Somme 51, verset 17, dit comme ça, les sacrifices sont agréables à Dieu, c'est l'esprit brisé. Lorsqu'on a prié, dans Somme 141, verset 2, la prière, son sacrifice relié. Lorsqu'on a loué bon Dieu, Hébreux 13, verset 15, son sacrifice de louange relié. Lorsqu'on a aidé moun, avec ça que nous gagnons, Hébreux 13, verset 16, son sacrifice relié. Lorsque nous utilisons corps pour servir mon Dieu, d'après Romains 12, verset 1er, il dit, offrez donc vos corps à Dieu comme un sacrifice. Vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Petit mon Dieu, vous devez connaître ça. Vous êtes une race élue, la marque de la dignité. Un sacerdoce comme un royal, la marque de la dévotion. Les nap chanté, moi c'est petit, toi, mon Dieu chante chant, en pire mon Dieu chante chant, yo pas comprendre chant. Yo chante chant, yo danse, mais yo pas connaître que ça chante, c'est la parole de Dieu. Ou c'est petit, toi, comporte-toi comme petit, toi. Marchez comme petit, toi. Parlez comme petit, toi. Pensez comme petit, toi. Réfléchis comme petit, qui ça. Et puis, ils diront ça, un sacerdoce, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, il dit, une nation sainte. Ça, c'est la marque de la distinction. On nous dit distinction. Une nation sainte. Moi, je l'ai dit, mise à part pour Dieu. Mise à part pour Dieu. Dépend mon douce petit bon Dieu, il ne faudra pas. Ou dans le travail là, il ne faudra pas. Ou l'école là, il ne faudra pas. Ou dans la communauté là, il ne faudra pas. À part, pas vous dire, papa, la moun. À part, pas vous dire, ou pas, il y a des gens qui comprennent qu'on est en société. Il faut saluer les gens, il faut amis les gens. À part, vous dire, je ne parle pas même pas nécessairement fait ça au fait. Depuis, il n'y a pas bon, je mets à l'écart. À part, vous dire, je ne parle pas de toute musique. À part, vous dire, je ne parle pas de tout le monde. À part, vous dire, je ne parle pas de toutes vieilles causes, je ne parle pas de toutes vieilles blagues. À part, vous dire, je ne parle pas de toutes vieilles causes. À part vous dire que vous ne pouvez pas fréquenter, à part vous dire que vous pas manger, à part vous dire que vous pas bouche, à part vous dire que même quelques coiffures que vous ne prenez pas, à part vous dire que même quelques rades que vous ne mettez pas, à part vous dire que quelques musiques que vous ne attendez pas, à part vous dire que quelques programmes dans la télévision que vous ne regardez pas, à part, on a tout dit à part. Oui, mais ça, c'est pour l'église, attendez. Vous allez à l'église, il y a parlé un paquet de bagailles, on ne connaît pas sorti, à cause de ça, vous oubliez ça l'église, à part vous dire. À part vous dire, vous ne pouvez pas marier avec n'importe qui, non? Vous ne pouvez pas n'importe qui. Même si vous avez un cœur pour les gens, même si vous avez un cœur, c'est bouton là qui a pété dans le corps. Pétez tout le bouton et mettez l'amidon sous lui. Parce que, à part vous dire, 1 Jean 2, 15, 17, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un qui ça aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On nous tout dit à part. La marque de la distinction, il faut distinguer. Il faut distinguer, c'est marque l'église liée. Parole ça n'est pas pour le monde dehors, et pas pour le qui dans la rue. C'est parole pour le petit bon Dieu. Hein? La marque de la dignité, la marque de la dévotion, la marque de la distinction. Et puis, il dit comme ça, une nation sainte, après ça il dit, un peuple acquis. Acquis. Ça c'est la marque de la dédicace. On nous tout dit dédicace. L'on dédié un bagaille, on met non sous lit. L'on dédié un bagaille, on met non sous lit. Vous soyez dans l'école en Haïti, ou un livre. Vous dites comme ça. Ce livre appartient à Michaud Etienne.
Quel que soit perdu le livre là, perdu, faut rejoindre le livre là pour retourner le mettre. Quand vous avez une bête dans la province, bœuf, choual, qui ça, ce qu'on va faire avec une province, il y a tant de pays. Si bœuf si là c'est pour Kelly Joseph, on va tant de pays, quel point j'y point. Quel que soit côté bœuf là, perdu, il y a besoin parce que le tempé. Regardez, dépôt ces petits, bon Dieu, tempéo. Les tempéo. Vous êtes un peuple qui ça, à qui, bon Dieu, dédié son nom. Ça, c'est la marque de la dédicace. Bon Dieu dit qu'on soit c'est pour lui, ou c'est pour lui, ou c'est propriété. N'en Corinthiens 6, verset 19, 20. L'apôtre Paul dit comme ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Moi, Abdoubaï, ça a son tête chargée. Si tout le monde qui dit ces petits, bon Dieu, connaît que vous. Tête yo pas pour yo, pas d'abgé moun ki ta gen droit matin pour yo lever, yo pas vin l'église. Ou pas gen droit pour tout pas vin l'église. Ou ta gen droit sa si tête ou te pour. Parce que gen pi moun ki la kayo matin, yo pas malade. Yo pas gen problème. They are flipping channels in the flippers. Tête yo c'est pour yo. If they feel like it, they do it. Mais je dis, I pas feel like it, I'm not coming. Regardez, si vous êtes propriété de Dieu, c'est la marque de la dédicace. Non, bon Dieu, sous vous. Ou c'est propriété, bon Dieu, tempé. Ma petite dit, on ne rage plus mon créole. Ou pas qu'à faire sauver. Ou pas qu'à faire sauver. Vous êtes un peuple acquis. Un peuple acquis. Jésus-Christ, achetez-nous à qui ça? Aidez-nous. À qui ça l'achetez-nous? Avec seul. Et puis dans l'église, ça dit, un peuple acquis. Pour qui raison? Les avancés, il dit comme ça. Afin que vous annonciez. Oh, loin, oui, là, non, marque. Classe, première marque là. Vous êtes une race élue, la marque de la dignité. Un sacerdoce royal, la marque de la dévotion. Une nation sainte, la marque de la distinction. Un peuple acquis, la marque de la dédicace. Et puis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appris des ténèbres. À son admirable lumière. À son admirable lumière. Ma présence, afin que vous annonciez. Ça, c'est la marque de la déclaration. Regardez. Quel que soit coton chrétien, de vous, ces petits bon Dieu, ou tu es prêt pour l'ouvrir bouchou, ou bien conduit pour déclarer soyez. Il dit comme ça. Toute soyez là, ou bien toute marque ça est soyez pour qu'il y ait le secret. On ne va pas parler non, la marque de la dignité. On ne va pas parler non, la marque de la dévotion. On ne va pas parler de Manuel, non, la marque de la distinction. On ne va pas parler de Manuel, m'a caché. La marque de la dédicace, mon Dieu dédié, m'a bouli. On ne va pas parler de Manuel, m'a caché. Non, on ne va pas parler. Il dit, afin que vous annonciez. Ça, c'est la marque de la déclaration. Quel que soit coton petit, mon Dieu, allez, travail, l'école, non communauté, conduite ou à parole, faut camper pour dire. L'apôtre Paul dit dans mes points, verset 16, je n'ai point honte. De l'évangile. Qui ça le dit? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Son honte liée pour nos travail, pour honte faire mon connaître que c'est chrétien. Pour honte faire mon connaître que c'est la Bible qu'on suit. Pour honte faire boire ou qu'on est que c'est un chrétien évangélique qu'on est. Pour honte ouvrir bouche pour dire c'est Jésus à suivre. Son honte liée. Pourquoi vivre l'église avec la Bible? Et puis lors devant mon ou peut dire on parle bon Dieu devant eux. Alors que la Bible a dit. Afin que vous annonciez, quel que soit, côtoyé, faut prêt pour l'ouvrir bouchou. Souvent, l'ouvrir bouchou, ouvrir conduit. Parce que des fois, soyez par les plus forts, que ça dit. C'est la marque de la déclaration. Ou tous ces chrétiens, ou t'es déclaré ça. Et nous, quand l'homme dans mon pays ou dans notre pays, l'homme vient à la loi, il faut déclarer son côté. Déclarer son côté. Déclarer son côté. Nous, comme ça, you need to sign something that says, you know, qui sont ou porter dans le pays. Regardez, depuis tous ces petits, bon Dieu, il ne faut pas honte pour déclarer, quel que soit contre au passé, mais ça me porte. Et l'évangile me porte. C'est Jésus-Christ me porte. C'est la bonne nouvelle me porte. Je viens de nous Jésus qui m'a sauvé, mais ça me dit hier, aujourd'hui, je me passe encore, Christ change la vie. Je ne pas parler de ça aussi. Je suis fatigué avec le travail, je suis fatigué avec la profession, la position, je suis fatigué, je suis plus investi temps dans le bagage. Mais il n'a pas déclaré rien pour bon Dieu. Il n'a pas de problème pour perdre du temps. Il n'a pas parlé toute qualité causée. Il vient de l'église, c'est vrai, mais il n'a pas passé. Il n'y a pas de petit temps pour parler au monde de l'évangile. C'est la marque de la déclaration. Afin que vous annonciez
Est-ce que même avec vous, quelque soit à côté de nous passer, nous baons l'évangile. Nous cassons l'évangile, Bali. Et ça joue aussi, Mabdou. Ou que social media, ou que Facebook, ou que Instagram, ou que YouTube, etc. Mabdou. Mes amis, je regarde moi. Mais les avis, moi. En pile, monde a fallu. On pas qu'un monde qui a dit on équipe l'obé qui pas gagné de chrétiens là-dedans. Moun, après chrétien, moun l'église qui a fallu un paquet Star Hollywood. Moun, yo, c'est des gens qui immoral. Yo sans Dieu, sans foi, sans loi. Et puis chrétien, il y a fallu. Il a fallu. Pendant a fallu, moun, combien de monde qui suivent vous-même? Combien de monde qui suivent vous? Parce que vous avez dit comme ça, je dis, je poste ton verset sur Facebook. Je poste un verset sur Instagram. Je poste un verset évangélique. Mabdou, ouais, parole mon Dieu. Parole mon Dieu, pas jamais à l'en côté pour le tourner sans effet. Parce que c'est parole mon Dieu lié. La marque de la déclaration, déclarée. Et puis, dis comme ça, je finis. Afin que vous annonciez, attendez bien, oui. Les vertus, tout bon bagaille de celui qui vous a appelé des ténèbres, qui ça? À son admirable lumière. Ça, c'est la marque de la délivrance. Nous chantons ça plusieurs fois, oui. Délivré, délivré. Oui, moi sauvé dans le péché. Pour toujours, mais ça. Regardez. Ce n'est pas chanter pour mon chanter l'eau. Quel que soit côté au passé, il faut que tout le monde ait gardé pour voir. Waouh, ça, c'est le monde qui est délivré. Il était vagabond, pas vagabond encore. Il était dans toute banque vieux amis, pas dans banque vieux amis encore. Il était dans une fumé, dans toute immoralité, pas dans saillon encore. Je ne veux pas voir le monde. Sous HLT, oui. Délivré. Je t'ai malhonnête. Je t'ai menteur. Je ne peux pas me faire confiance. A pas le changer. Délivré, oui. Il délivré. Il sauvé. Grâce à Jésus, en bas tout vieux péché, ça y est. Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, à son admirable lumière. Ça veut dire que l'homme annonce ces barrières-là. L'homme présente devant vous la marque de la déclaration. Il faut présenter la marque de la délivrance. Bah, témoin, un jour. Dis, mais quoi, t'es m'té, oui. L'autre m'té qu'on vole, oui. Et Jésus fait m'pas voler encore. Bon, témoin, ça y est, toi, honnête, mon baba, non. Oh, mon papa était moi, ça y est trop honnête. Pour dire, longtemps, c'est qu'on voit là. Longtemps, c'est qu'on va bien mentir. Qui est des photos où mon capé devant l'église pour dire, longtemps, c'est qu'on parle de mal. Langue, moi, t'es tellement longue, c'est pas grave, vous sautez là, traînez juste vos portes là. Ou pas pour être moi, Isaïe. Il est trop honnête. Mais il dit que ça faut annoncer lui. Mon qui te pour qui était en internet, qui met au qui ça? Dans lumière. Moi, sous si suis là. Et moi, il dit, pasteur, bon, trop. Je ne peux pas faire un non. Et l'église ou vini, c'est ce bagaille ça pour t'aider. La marque de la dignité. Classe, bon, deuxième non. La marque de la dévotion. Troisième non. La marque de la distinction. Quatrième non. La marque de la dédicace. Cinquième non. La marque de la déclaration. Sixième non. La marque de la délivrance. Est-ce qu'on délivre? Est-ce qu'on change? Et puis mes derniers versets, je finis. Les mouvés sous moi. Et puis je dis qu'on a bien aimé. Je vous exhorte. Comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il dit, ayez au milieu des païens. Des païens ont une bonne conduite. Afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque, qui ça? Vos bonnes œuvres. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ça y est, dernière marque là, la marque de la discipline. Ou tellement sont monde qui sont disciples, ou disciplinés n'a pas le bon Dieu, suivre Jésus, ça paraît non conduit tout. Même pas rien, yo. Là, yo pour vous parler mal. Là, yo pour vous dire mauvais pareil sur même. Et yo pas même qu'à jouer pour yo dire. Là, yo garde bonnes œuvres. C'est glorifier puis yo glorifier bon Dieu. Là, bon Dieu décide de visiter yo. Femme, c'est beaucoup de bien. Yo petit bon Dieu. Ou bon Dieu, à travers parole, ou son disciple. Et tout le monde, ça y marche ensemble. Disciple, discipliné. Discipline. Yon moun ki konn parole mon Dieu, ka paye sou parole mon Dieu, son moun ki discipliné par rapport à conduite li. Même nan mitan payen, di ke ki sa, yon bonne conduite. Et li révèle ça lorsque li abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien aimé, matin, rapidement, chaque point, ça yon te capable yon message pour kont yo.
Je présente les 7 marques de l'église. Mais ça, l'église, oui. Vous êtes une race élue. C'est la marque de la dignité. Un sacerdoce royal, la marque de la dévotion. Comment? Une nation sainte, la marque de la distinction. Un peuple acquis, la marque de la dédicace. Afin que vous annonciez la marque de la déclaration. Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La marque de la délivrance. Et oubliez des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des païens, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça, c'est la marque de la discipline. Même monde qui n'est pas converti, qui ne sait pas rien, les conduites, ils disent ça. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Bien aimé, mais ça, l'église, oui. L'église, c'est pas quand on a sauté, pompé, la guerre, quand on a été fait magique avec comédie, non. L'église, son côté. L'or, ou à le côté ça, ou joint le côté ça, des mondes qui ont ça. Marque ça, yo. Et là, yo gen mark sa yo, yo pa honte fait tout moun kon sa, tant que Paul te dit, je n'ai point honte qui ça. De l'évangile, qui ça yo? C'est une puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. Yo ba y soyon wa, gen yon soldat qui vient côté, le soldat tap chercher grade. Grade, il tap chercher. Il a besoin grade. Il a besoin de monter grade li. Et là, li vive beaucoup de ou a dit comme ça, sou besoin, mwen bo yon grade. Montre mak ki sou kor. Parce que Marc qui sous corps lui révélait côté sous la bataille. Sans Marc, vous n'êtes pas en bataille. Parce que au pas cas, t'as mon bataille pour pas recevoir une blessure. Ou pas cas, pas mon bataille pour pas recevoir un coup. Il dit, vous besoin de grade. Montrez Marc. Et ça fait me penser à l'apôtre Paul dans Galates, dernier chapitre, livre Galates, il dit comme ça. Désormais, que personne ne me fasse de la peine. Et m'a terminé. Paul dit comme ça. Car je porte sur mon corps, qui ça? Les marques de Jésus. C'était marque physique de toute tribulation, de tout problème, de toute persécution, de toute lapide, de toute souffrance que Paul t'a endurée. Marque ça est capable physique, capable spirituel. Et si, maintenant, nous ne pouvons pas parler de marque physique seulement. Mais nous devons dire marque ça. Sous orgueil, ou c'est l'église. Et pas négocier. Soyez ou c'est l'église. Pas quitter personne pour yon dans yon. Pas quitter personne. Faut oublier soyez. L'or ou faisant mi chrétien. Gardez pour si yon gen mak sa yon. Est-ce que moun sa yon konne qui laisse que yon yon? Gardez pour si yon, si yon réalise qui laisse yon dans mon Dieu. Si yon réalise qui laisse yon dans Christ. Et si yon en négociation pour mak sa yon. Et si c'est moun ki honte pour dire, yo c'est petit bon Dieu. Et yo prêt pour déclarer ça quel que soit côté yo passé. Gen yon chant qui dit parole sa yo et nous pral chanter pour terminer. Il dit le monde voulait moi suivre plaisir li. Bon reste là. Il dit moi plutôt suivre Jésus. Regardez, pour pas perdre du mankou, c'est pour toujours être à suivre ça. Jésus. Ça veut dire que le monde a négocié Marc pour un job. Il a négocié Marc pour une position. Il a négocié Marc pour un avantage donné. Pas oublié. On peut suivre Jésus. C'est ça pour nous chercher. Le monde voulait moins suivre plaisir, li moins. Plutôt suivre Jésus. On nous crampe pour nous chanter ça. Le monde pas caban, moins la vie, moins v'les semble Jésus. Semble Jésus, c'est désir. Le moins seul au pas mes mots. Semble Jésus, non, tout fait. Moi, v'les semble Jésus. Chantez deuxième soif là avec moi. L'été qu'a ses chaînes péché, yo moi, v'les semble Jésus. Salut à tous. Moi, c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi, je viens offrir un ouvrage que moi écrit. La vérité qui libère.
son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Le livre a 440 pages. Il est bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit « Vous connaîtrez la vérité ». Et la vérité vous affranchira. Vous pouvez placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça, 954-515-2669. 954-515-2669. Seulement texter, moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, on a bon, toutes les informations qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, la vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Nom, c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous. Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église, pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flamme. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954-515-2669. 954-515-2669. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer.